Bonjour mes petites gueules, j'espère que vous allez bien. Mieux que les serveurs Smite, ils sont complètement à la ramasse. Donc je me suis fait une petite game face à des arbres. Ouais, j'en ai marre. Franchement, le jeu qui marche jamais. Enfin, pas le jeu qui marche jamais, mais quand il marche, les serveurs sont pas dispo. C'est assez chiant. Je me suis dit, bah allez, go se faire un peu n'importe quoi face à des gros arbres. Oh mon Dieu, cette armée dégueulasse quoi. Oh. Ah. Oh les gros dégâts de zone quoi. Les gros dégâts de zone. Alors, autant vous dire que là on est parti sur de la grosse game. Hein. Là on est parti vraiment sur. Oh oui. Je m'attendais un petit peu. Oh, et voilà. Dame, et de 1. Est-ce que je vais en avoir un deuxième? Non. Ouais, là le jeu c'est casse-burne, mais à un point. Je veux dire, on joue contre ADC Simulator. Les mecs ont raison, ils jouent leur vie quoi, pour le jeu vidéo. Je fais ça, moi. Hop. Yahoo! Ah! Mais t'es mort. Quoi? D'où? Allez hop, bim, on dégage. Est-ce que je peux balancer ma boule le plus loin possible? Oh mon Dieu. Je vais balancer ma boule comme ça et puis courir. Ouais, ok. C'est pas génial, mais bon. Ça fera l'affaire. 1100, nickel. Allez. Donc voilà, c'est pas l'éclate hein, actuellement Smite. Ok, on va se calmer de suite les petits arbustes là. Comment est-ce qu'on peut gagner face à ça sans déconner? Il faut vraiment un méga push early quoi, un méga dépush early. Hein. Sans ça, très compliqué j'ai l'impression. Ils sont partis où les autres? Ils sont quand même pas allés faire la jungle? Hop. Non, tu te calmes de suite, toi déjà, tu vas t'arrêter. On va aller vite ce heal. Je vais rien acheter en fait. J'ai rien besoin d'acheter. J'ai rien besoin d'acheter avec 300 gold. Il va me falloir de la pénétration très vite. Hop, toi t'es mort là-bas, non, même pas. Ok, c'est bon, ça c'est esquivette. J'ai pas acheté du tout. Ah. Waouh, je peux faire ça? Je savais pas que je pouvais faire ça. Mais c'est génial que je peux appeler plusieurs fois les mecs avec ma boule. Bon, dit comme ça, c'est vrai que. Hop. Voilà. On va pouvoir back. Il me faut de la puissance. De la puissance. On va partir là-dessus directement. Bon. Au moins là, comme ça, on se fait un petit dépêche simulator. Face à des arbres. Wouh! Interaction, ma foi, sympatoche, quoi. Yahoo! Interaction sapatoche. C'était marrant. Je me suis envolé. 850.
Je vais plutôt prendre l'autre qui me donnera du lifesteal. Il faut que j'essaye ouais, de sur la survivance. C'est ça qui est important. Hop. Ok. Et voilà, bim. Toi, vas-y, hop, et 2-3. Et 2-4, pardon. Triplé, nickel. Mais en fait, c'est... Quand même pas. Quand même pas la puissance divine, hein. Oui. Bah, c'est pas mal. Je pensais pas que je m'en sortirais autant. Hop, voilà. Et ben nickel. Donc, ouais, je continue un peu à faire du smite, mais... Mon dieu, ce que je veux mettre pas, quoi. Sans parler du fait que ils veulent pas de partenariat avec moi. Ils me refusent même pas le partenariat. Ils me répondent pas. Rien. Aucune information. Niet nada. Donc, je regarde toujours un peu à côté, parce que sur le Discord, je dis aux gens, si vous voulez jouer, c'est le moment, parce que les serveurs s'en donnent. Ok. Belle synchronisation, messieurs. On va peut-être courir, hein. Je connaissais pas Atlas aussi bien que ça, honnêtement. Je découvre, là. Et, c'est un peu un petit plaisir, là. Je vous cache pas que péter la gueule à des arbres, quand ça se passe bien comme ça, ça se passe beaucoup mieux que ce que je pensais. Hop. Et toi, tiens, viens là. Y a aucune complexité. Oups. Y a aucune complexité dans le gameplay. Ça avance tout seul. Ça fait le café. On va vite, par contre, acheter plus de puissance. Qu'est-ce qu'on va acheter en puissance qui pourrait être sympa? Ouais, on va acheter des livres. C'est des arbres. Ça va les énerver. Avec les arbres qu'on fait du papier, etc. etc. Je leur montrerai moi ce que j'en fais du papier. Aucun respect. Hop. Ah, c'est rigolo ce que ça fait. Ça les amène. Hop, hop. Ok. Toi, tu viens avec moi, merci. C'est vrai que je peux en prendre plusieurs, en fait. Non mais, toi t'essayes de sauver ton pote, t'es mignon quoi. Ok. Alors, je vais juste vous demander de vous calmer de suite, là. Oh! Dommage, c'est pas passé loin. Il faut vite que je me barre, parce que j'ai pas envie de me battre contre des millions de feux. On va prendre ça. Est-ce qu'il y a un... Je me dis qu'il y a un bouclier, ça serait beaucoup mieux qu'un poli. Un bouclier, le bouclier du livre de mes couilles là. Ok. Vous venez avec moi, monsieur? Merci, j'ai un phénix à vous présenter. Hop. Alors des fois je comprends pas pourquoi est-ce que je mets des grosses autos et des fois j'en mets pas. Voilà. Oups. Ça par contre c'est con ça. J'aime bien avoir mon lifestyle là quand même mine de rien. C'est vrai que c'est agréable. Oui. Ok. Ok. Oups. D'accord, j'ai loupé ça. Va falloir juste que je dépêche les amis. Et une fois que le dépêche sera fait, je pourrai back. Mais mon dieu, je m'attendais vraiment à un truc bien plus dégueulasse que ça. Ok. Hop. On va se barrer vite. Ah, j'aurais dû balancer mon ulti pour pouvoir dépêche. Donc je me dis que là, ça, le livre des morts,
Ça peut vraiment faire du bien. Ah, et puis ça, il joue aussi, je prends, d'accord. Il me faut de la CDR maintenant. Enfin, le livre des morts m'en donne un petit peu, non? 20% de CDR? C'est de la CDR? Ah non, c'est de la réduction de contrôle. Ok. Alors là, vous allez vous calmer de suite, hein. Voilà. Ok, il se calme pas du tout de suite. Hop. C'est pas le bon qui a pris l'aggro. Arrêtez. Boum. Hop. Et là, voilà, tu auras... Oh. Non, quand même. Putain, je dépasse le milieu de la... Je dépasse ma tour, les amis. C'est fabuleux. Donc, ouais. Des serveurs smite à la piste. Des décisions de donner plus de vie qui sont assez bizarres. En fait, à tout le monde, quoi. Pourquoi donner plus de vie aux carry AD? Pourquoi leur donner un early? Là, au final, bah, ça enterre plus facilement le late game de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Parce que... Un carry AD, c'est méga late game. Ah, tout le monde le sait. Est-ce que je pourrais prendre... Est-ce que je prendrais pas ça? Ouais, tiens, on va y aller. On va aller beaucoup, beaucoup de lifesteal. On va contrer leurs dégâts par du lifesteal. Donc, carry AD, c'est late game. Tu... Enfin, tout ce qui est late game, si tu files de la vie en early, c'est un méga up, quoi. C'est tout. Tu peux dire ce que tu veux. Hop, ça c'est rigolo à faire. Et la boule qui revient! Youhou! Le Phoenix Emulator! Oh oh, oh oh! Oh, j'ai loupé ça! Ils ont pris de l'antille! Oh non, 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 ne meurs pas! Pas comme ça! Pas comme ça, Benzé! Oh mon dieu! Non, non, non! Alors attendez, hein. Ouais, l'image du gros cast. Capture de fenêtre, peut-être? Voyons. Le jeu a planté. Voilà. J'ai pas une capture d'écran à la con, quelque part. Tadam! Voilà à quoi ça ressemble Smite aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous dise? Smite, ça tombe au caca. Là, c'est une horreur. Ça a été fait par les développeurs de Millennium. En gros, tu lances le jeu et puis tu as une fonction random. Et si jamais ça tombe sur entre 0 et 100, et si ça tombe sur le bon chiffre, et enfin sur le mauvais chiffre, ça dépend comment tu vois, ton jeu il peut crash, tu peux être déconnecté en cours de jeu, tu ne peux ne pas acheter, les serveurs sont off, enfin les serveurs en quête sont off. Bon, voilà. Bon, en plus, le pire c'est que, est-ce qu'ils ont senti que je commençais à avoir du fun? Ils sont, tiens, là, il y a quelqu'un qui prend du fun, alors qu'on l'avait pas autorisé, pas maintenant. Pas aujourd'hui, non, non, pas de fun maintenant. Allez, bim, crash, allez. Bon, à bientôt sur le champ de bataille. Like, feed and guess.